Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, c'est le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. C'est pas ça? Ouais, alors il pleut pas, donc s'il te plaît. Hein? S'il te plaît, ferme ta... Ferme bien, bien ta bouche. Voilà. Ferme bien ta bouche, tu serais sympatoche. Bon. Hein? Bonjour les amis! Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Et je peux chanter comme ça si tu veux. Bon, c'est vrai que le nuage qui est au-dessus fait peur. Ben, ils annoncent dans l'après-midi, donc laisse-nous faire nos brocantes. Che. Après, pleut. Brocantes, che. Bah, puis même pour les des brocantes, che. Che. Et pour les, même pour les brocantes. C'est bon, la pluie. Regarde, le soleil vient de se lever. Il est 8h09. Nous sommes dimanche. Ah, 8h10 maintenant. Ouais. Nous sommes dimanche. Et qui dit dimanche dit... Pour l'instant. Brocanche. À vrai dire, aujourd'hui, ils nous ont fait le coup de mettre toutes les brocantes. Il y a la totale. Il y a la totale. On a halluciné quand on a regardé le site de Brocanche, la vie de grenier. Je sais plus quoi. Vite-grenier. Bref. Si tu connais pas, peut-être que tu connais pas. Il y a deux sites. Je l'ai déjà dit il y a un petit moment, mais il y a vite-grenier.com.org et il y a brocabrac.com. Voilà pour les sites. Tu tapes brocante, voilà, région et tu trouves comme motivé. Hein, voilà. Te prends pas la tête, Corinne a la tête. Ah, si Corinne elle a dit que tu te prends pas la tête, tu te prends pas la tête. Moi je marque brocante 11, brocante 34 et je trouve mes brocantes et basta. Hein, pourquoi se prendre la tête? Bon, dommage, vous avez pas cette vue que nous avons là ce matin. Et encore les. Si, elles sont là-bas. Attends, on passe la maison. Ouais, parce que je vois pas avec la maison. Ouais. Le soleil, franchement, et regarde, le soleil est en train de se lever en fait. Là, regarde, à droite, là-bas, regarde. Ah oui, là, on les voit encore. Il y a toutes les Pyrénées qui sont enneigées. C'est un spectacle magnifique. Magnifique, franchement, c'est une beauté sans nom. C'est assez loin d'ici, quand même. Hein. Oui, c'est au moins 2h30. Ouais, voilà, on va dire 400 km, 500 km, hein, peut-être, celle qu'on voit. Hein. Ah oui, celle qu'on voit. Même voir 600, ou... Ouais, voilà. Mais c'est d'une beauté. Et là, il y a le soleil qui est en train de se lever là-bas. C'est un magnifique... Ouais. Je suis désolé, je peux pas vous montrer. Bon, bref. Aujourd'hui, pas mal de brocanches de prévu, pas mal. 3-4. Oui, parce qu'on va pas toutes les faire sinon. Mais ouais, c'est abusé, ils ont mis toutes les brocantes aujourd'hui. Donc on espère trouver au moins. Je le dis tous les week-ends. Une tasse, une boule à neige, une statuette. Ah oui, toi, ah oui, ah oui. Non, mais je rigole, on sait très bien. Parce que moi j'ai dit une tasse. Ouais. Elle me sort. Ouais, moi j'aimerais trouver une statuette, une boule à neige. Ici, il y a très peu de choses qu'on trouve des choses comme ça. On est trop loin de. Ah. De tu sais le mec exigeant. Un truc à popcorn. Un nouveau truc à popcorn. Tu sais les récipients popcorn qu'on a que t'as ah, trouvé. Oui, bah oui, c'est sympa, je trouve. C'est sympa, ça fait bien dans la collection. Ouais. Ou un verre. Ouais, ou un, bref, de toute façon tu connais un truc Disney quoi. Ou une grosse peluche Mickey. Ah oui, tu sais, les grandes de. Ouais, je kifferais. De 1 mètre ouais, c'est ouais, ça. 90 cm, 1 mètre. Et ouais. Mettre 100 euros dedans à Disney psychologiquement pour une peluche, non. Autant acheter en brocante, ça me gênerait pas. Et après, tu l'as mis où à la maison? T'es bah... mignonne, mais. Avec le sur le fauteuil. Les fauteuils ils servent à personne. Bah de temps en temps aux enfants et bah il y aura Mickey dessus. Bah moi j'étais dessus. Oui bien. Bah c'est pas grave, tu le prendras sur tes genoux. Bon bref, mis à part ça. Ah il y a un Mao qui vient de passer. Eh oui. Et oui. Donc si tu es sur Instagram, sur l'Instagram de Corinne ou le mien, parce que j'ai mis hier soir. Corinne, tu l'as mis hier après-midi. Oui, bah quand on est rentré à la maison. Voilà. Nous avons un petit chat. Petite mine. Donc on a attendu quand même 6 mois. 6 mois que. Bah ça fait quand même toujours pincement. Que voilà, que Princesse est partie. Et on a sauté le pas. On s'est dit ouais bon allez, on se jette. En fait c'est. Voilà, comme a dit, ça fait un passement encore. En fait, on est indécis. Bah, on était indécis parce que maintenant on a adopté un chat. Elle est à la maison, donc voilà. En fait, on voulait pas en même. C'est con, hein. C'est con quand même. Bah, ouais. Tu veux pas adopter un nouveau chat en mémoire de ton ancien chat. Mais tu veux un truc à câliner en fait. Tu veux un petit chat à câliner justement pour, entre guillemets, reproduire ce que tu faisais avec ton chat.
C'est idiot. Oui, mais bon. Ça va être une deuxième princesse parce que déjà elle agit déjà comme elle. Donc... bon, là, donc nous l'avons ramenée hier à la maison. Et bon, elle est un peu encore, encore craintive peu, ouais. et elle se cache encore pas mal. Bah, c'est normal en une journée. Elle est mignonne. C'est une boule de poils, on se rappelait pas. Pourtant, on en a eu des chats. Mais on se rappelait pas que c'était aussi petit. Allez, mais minuscule, elle rentre dans ma poche. Voilà, mais c'est trop marrant. Donc on vous la montrera tout à l'heure, si elle veut bien sortir de son trou. Voilà, c'est ouais, sur le côté du canapé ou derrière le canapé. Ouais, voilà. Et elle est toute belle. Donc pour le côté info, c'est l'année des R pour les animaux. Donc, devinez dans les commentaires. Bah non, parce que moi je crois que j'ai marqué. Oui, tu l'as marqué. Tu l'as marqué. Donc nous l'avons, donc vu que c'est l'année des R, et il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément des R au niveau Disney, name Disney. Oui, bah oui, autant rester dans le délire. Puis ça lui va très bien. Et donc nous l'a. Bah, un nom, vous allez voir, je vous dirai, mais il y a un nom qui aurait été mieux si c'était l'année des P. Oui, c'est vrai. Mais nous l'avons appelé donc à NDR, donc Raja, nous l'avons appelé donc le tigre de Jasmine, pas de Aladdin mais de Jasmine. Donc voilà, donc à l'origine Raja est un mâle, mais nous c'est une femelle, mais c'est pas grave, ça y va très bien. Donc voilà, donc allez, bref, nous partons sur une brocanche, on fait Saint-Marché direct, ou de toute façon on passe par Saint-Marché. Sachant qu'elle est marquée complète, donc. Donc première brocanche directe, deuxième brocanche directe, troisième brocanche directe. Et ben on va toutes les faire direct. Ça sert à rien, c'est nul. Et après dans la journée on va descendre le Halloween parce qu'on avait dit qu'on. Oui, hier, en même temps la journée hier elle était quand même assez complète. Ouais, bah on a fait des courses, on a été invité à un anniversaire, après on est parti chercher le chat à plus d'une heure de la maison quasi. Aller-retour 2 heures quoi. A été assez complète. Ouais, chose. Bref. Allez, on part sur des brocantes. Brocantes. Brocanches. Dis bonjour. Dis bonjour. Je vous présente Raja. Voilà. Petite Raja. Et vu la couleur qu'elle a, on aurait pu l'appeler Pois. Et oui, mais c'est pas l'année des pieds. Voilà. Le petit, petit cochon de Vaiana. On trouvait les taches là. Mais laisse-moi tranquille, je veux pas dire YouTube. Je vais pas être sur YouTube. Voilà, bref, voilà, petite présentation. Bon, elle est encore un peu sauvage, mais voili voilou. C'est quand même moi, hier. Bon, voilà. Bon, comment dire que c'était notre dimanche? C'était notre dimanche. It's my day. It's my Sunday. Sunday. Vas-y. Des bonnes brocanches. Voilà, un petit sourire quand même à la caméra quand même. Sinon, dégage. Oh la pauvre, excuse-moi. Je vais te défoncer ta. On commence par le commencement. T'as plein de trucs. Mais c'est peut-être. Enfin, ah, en fait, t'es en train de me taper en live. Voilà. Bon, allez, vas-y, fais voir tes trouvailles magnifiques. Hop là. Donc, comment ça pète en plus. Bah, franchement, vous pouvez pas savoir comment on est en plein kiff sur ce qu'on a trouvé. On commence par le commencement, ce qu'on a trouvé en premier. Mais tu sais, les collants, c'est pas du Disney. Hein. Ouais, mais c'était. On s'en ouf. Première brocanche. Ouais, celle de Saint-Marcel.
Alors comment dire que j'étais en joie de trouver ça. Même si on les trouve à... On les trouve aussi à Disney. Disney. À Disneyland. On les trouve. La cuillère Disneyland Paris. Donc avec la tête de Mickey, parce que maintenant c'est une... C'est le château. Elle est toute neuve. Toute neuve. Anecdote sur cette cuillère. Le gars vendait tout le... En fait, tout un carton entier. Partout où ils allaient, en fait, ils achetaient des petites cuillères comme ça en souvenir. En fait, je ne savais pas, il y a les cuillères en fait, de chaque ville, chaque pays, bref. Parce qu'après, sur l'autre, j'ai vu sur la deuxième, troisième, quatrième, bon. Il y avait, Algérie, il y avait Bref. Ouais. Et donc, anecdote, le gars vendait tout. Je dis non, moi, je veux celle-ci. Je sais pas, vous la vendez combien? Il me dit, dites-moi un prix. Donc Corinne a dit... 2 euros. Elle me dit, non, c'est trop cher, 2 euros. Elle fait, je vous la fais 1 euro. Sachant qu'à... On était prêt à lui donner 2 euros, le gars a dit non. Qu'à Disney, elles sont à 10 euros, parce qu'elles sont pas excessives en soi. Mais après, on peut pas les utiliser pour avoir le café et tout, parce que c'est du... C'est pas du top, mais c'est pas de l'argent. C'est du métal plaqué argent, c'est écrit derrière. Donc... métal argenté. Et voilà, ça s'abîme. Bon bref, en quoi... Comment dire que je l'ai supplété pendant toute la première bocante sur cette... cette magnifique tasse. Cuillère. Cuillère. On passe au... C'est le seul truc qu'on a trouvé sur la première? Ouais. Oui. Oui, oui, après ça a été... On passe sur deuxième brocante. Ah oui, à Nevian. À Nevian. Et comment dire que cette magnifique petite tasse Mickey en fer... On en avait trouvé une comme Mickey aussi, mais en marron, en brocante. Voilà, donc en fer. Hein. En fer avec le, bien sûr, tu as pu voir le petit logo officiel Disneyland Resort Paris. De toute façon, on a trouvé que l'officiel, à part la tirelire. Non, on n'a pas trouvé que l'officiel. Quasi. Non, mais c'était notre jour. C'était notre jour. Donc petite tasse qui va, voilà, hein, qui va. Et encore sur l'autre tasse que tu me dis, marron, il n'y a que le devant, il n'y a qu'un Mickey devant. Là, il y a l'arrière du Mickey. Pour 1 euro. Pour 1 euro, ouais, je l'ai vu dans un carton de vintage, il y avait toutes les trucs tupperware orange là, tu sais, vraiment les vieux trucs vintage, je l'ai vu. Donc comment dire que j'étais chaud de la trouver. C'est ça. Sur la deuxième brocante, c'était tout? Oui. Oui, parce après, que moi j'ai trouvé gigoteuse, puzzle, livre, Parce que j'ai un bébé qui arrive. Ce que t'as acheté là, je vais pouvoir le fabriquer quand même. Ouais, parce que j'ai un bébé qui arrive dans... 15 jours, 3 semaines là, donc il faut que je renouvelle les jouets. Troisième brocante. Au moins un prompt. C'est quoi? Ah non, le puzzle en premier. C'est le puzzle en premier? Ouais. Bon là, c'est la pièce qu'on a payé le plus cher. Voilà. Bon, elle nous a dit qu'il était complet, donc on croise les doigts pour qu'il soit complet. C'est pas le même, là-bas c'est les princesses. Ouais, c'est pas le même, et là c'est Mickey, il y a le roi lion, il y a les princesses là, il y a les princesses, il y a les de la jungle, il y a la belle et la bête, et il y a les sons de la princesse. Ah, c'est le... Ben, voilà, en fait, je suis en train de me dire, c'est le dessin que Katia t'a fait en perle. Ah oui, en diamant, oui, qui est dans notre chambre qu'on a mis là-haut, que ma belle-mère a Parce qu'avec toi, je suis en train de voir ça. Là. Donc on l'a payé, bon, c'est la plus gros qu'on l'a payé, c'est 5 euros. À la base, elle le vendait 10 au truc de brocante, on a trouvé les cristals d'arc Disney. Et du coup, un peu banal. Et puis c'est parce que j'ai ouvert ma bouche, parce que si on ne met pas 10 euros dans un puzzle, autant l'acheter 9. C'est clair. Et je suis à 5, et puis la meuf elle me dit 5. Bon, on n'avait pas chipoté, donc on a pris à 5. Moi, j'ai trouvé le truc inutile, ça sert à rien, je sais. Mais voilà, je le vois partout. Et voilà. Tu le vois partout? Mais oui, sur. Ah bon? Sur les sites Disney, Disneyland, des choses comme ça. Il vient bien de Disneyland Paris, il est marqué derrière. Voilà. En gros. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Elle m'a fait en plus, en live, hein, devant tout le monde, elle m'a dit Ah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? On est déjà mariés, mais éventuellement, il pourrait me redemander. Elle m'a sorti ça comme ça! Et moi, j'ai répondu, mais imagine-toi tout l'argent qu'on va mettre dans un remariage, toutes les tasses qu'on peut s'acheter. Maintenant, c'est facile, nous on négocie, on se parle comme ça. On se parle en tasses ou en statuettes, hein, on cherche plus à se dire, ouais, mais ça vaut tant. Non, non, ça vaut tant de tasses. C'est abusé, hein. Donc, du coup, non, oui, voilà, je le voulais. C'est ouais, il ira très bien. C'est 1 euro, donc oui, c'est 1 euro. Ouais, ouais. C'est ça, 1 euro. Et c'est tout sur la troisième brocante. Après, oui, ça, après c'est la dernière brocante. Quatrième brocante.
Florine s'est jetée dessus encore. C'est trop beau. Ouais. Un petit... le noir, c'est... Tac. Tic. Tic. Yael. Non, c'est tac. C'est tac. Et c'est une Euro Disney, en fait. C'est une officielle. C'est pour ça que je l'ai je prise. Crois. Hein. Et voilà. C'est la Euro Disney. J'ai essayé de la négocier. Elle me l'a fait à 3 euros. Je dis 2. Elle fait oui, mais c'est une vraie. Je dis oui, bon, allez. En plus, elle est propre. Et elle est nickel. Bon, je vais la passer à la machine. Pas ah, quand même. Ah oui, en délicat, je vais les... Moi, elles sont toutes passées à la ouais, machine. Oui, mais bon, elles font un peu après abîmées. Elles font pas top. Bon, après, c'est pas pour jouer avec, hein, c'est pour notre. Ouais, voilà. Au pire, tu la mets dehors en plein soleil quand il fera chaud 50 degrés. Un jour. Et voilà, et tous les microbes partiront. Donc, au pire, voilà, ouais, pour 3 euros. Donc, j'étais contente. Si, j'ai trouvé aussi ça. Tirelire, moi, qui a nettoyé. Voilà. Qui a nettoyé. Bon, bah, c'était Enzo qui l'avait. Et maintenant, c'est la famille V qui l'a. Voilà. Bon, à dire. On a plein. Donc, du coup, on l'a prise pour 1 euro aussi. On l'a prise. Et voilà. Comme on l'a dit la semaine dernière, je crois, ou sur une semaine d'avant, on n'en voulait pas, quoi. Ouais, et mais maintenant, on les prend, parce que la dame à feu, vous me débarrassez, je vois. Et en plus, moi, les petits, quand on est dans le salon, ils aiment bien jouer avec, vu que c'est en plastique, ouais, ça vu que c'est en plastique, etc. Voilà, donc ils jouent avec. Il faut que j'aille la nettoyer, parce qu'elle n'est pas propre. Ensuite, bon, on va dire que j'ai commencé par celui-ci, en fait, ouais, à l'origine, place, on a commencé par ça. Pour 1 euro, 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 1 euro. Ceux, il n'y a que ceux qui voient Disneyland qui connaissent ça. 1 euro, 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 1 euro. C'est les vendeurs à la sauvette qui sont devant Disneyland avec qui vendent les tours Eiffel et ils sont comme ça. 1 euro, 1 euro. Alors moi à chaque fois je dis 1 euro. 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Tu les as saoulés là, ils sont partis. Si vous êtes encore là, regarde le puzzle. Puzzle, il est magnifique. Bon, on espère qu'il est complet. Je m'attends à cette question dans les commentaires. Oui, non, il n'a pas fini. Non, je l'ai pas fini, je l'ai même rangé. Voilà, on verra cet hiver, je pense. Bah, en fait, je l'ai rangé propre, c'est-à-dire que toutes les parties que j'ai faites, je les ai bien mises pour les ranger dans la boîte. Non, là, en fait, il était dans le salon. Il gênait parce qu'on fallait qu'on mange. Et dans la véranda, j'ai peur que les pièces se déteignent. Voilà, et en fait, donc on s'est dit, pour le moment, je l'ai même démonté, je l'ai monté au dernier. Non, je ne l'avais pas démonté, je l'avais monté pièce par pièce, voilà, partie par partie. J'avais commencé à le remonter là-haut et je me suis dit, oh, non, en fait, pour le moment, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, donc bah, voilà. T'as pas l'envie, c'est vrai. Les petits, c'est rapide, je vais le mettre dans le billard. Ouais, on a un bar. Bon, t'as bien, on a un billard, hein. c'est pas mieux non plus. Je vais le mettre dans le billard, c'est des 5000 pièces, c'est plus petit que l'autre, donc ouais. De mais ça. Il va falloir qu'on retrouve des planches comme ça, surtout. Bah, il y en a une qui est dehors, qui a pris l'eau. Ouais, ben non. Et il y en a une dans le grenier où j'ai mes pochoirs dessus. D'accord. Bon, ça. Ouais. Alors, à l'origine, c'était pas le truc que j'aurais pris. Ah non, du tout, franchement. Mais c'est inofficiel. Ouais, voilà, parce que le truc qui n'existe même plus à Disney, moi. À Disney, bah oui, parce que c'est... Ah non, c'est Disneyland Paris. C'est Disneyland Paris. Ouais, bah je sais pas. Bah, je me dis que c'est vintage, c'est total collector. C'est clair, ouais. C'est chéri, j'y rétrécis les gosses, je n'ai même pas... Mais si on l'a, mais si, ah si on l'a connu au tout début, une des premières fois. Chérie, j'ai rétréci les gosses qui est maintenant. 3D, maintenant, c'est le truc de. Non. D'accord. À la place de ça. C'est Mickey. Non, c'est Donald de Philharmonique là. Oui, voilà, bah, c'est Mickey Philharmonique. Oui, mais c'est Donald qu'on voit, c'est même pas Mickey. Oui, si, je le vois. C'est Donald qui fait ça, bref. Et donc, en fait, j'ai vu juste le petit logo Disneyland Paris qui est juste ici. Et donc j'ai regardé, je me suis dit, allez, on la prend, elle nous l'a fait 1,50€. Ouais. Bon, après, elle est pas de ouf. Hein. Elle est pas de ouf, mais bon, je me dis que c'est total. C'est total collector. Ouais, donc voilà. Et on marche. Et là, on entend gueuler un gars. Un mec, ouais, c'est cru tout seul sur le. Voilà. Et en fait, on s'est tourné et on l'a vu en même temps. Sauf qu'elle, elle a couru dessus. Bah, j'avais peur parce qu'il y avait des gens dessus, donc je me suis dit. Bon, ça aussi, hein. Total vintage. Il y a beaucoup de nettoyage de fer à faire dessus, mais voilà. C'est mini cordon bleu, donc en fer. Bon, on a à peu près le même délire, mais avec Mickey pour notre café. Pour notre café.
Mais voilà, Total Vintage, elle l'a eu à 2 euros. Oui, il m'a dit 3, je suis allé à 2. Et puis tu me l'as fait à 2. Total Vintage. Donc on est plutôt contente de cette... de ces brocantes. Hein. Donc on était contents déjà de partir ce matin parce qu'il y en avait pas mal. Mmh. Et encore, on ne les a pas toutes seules parce qu'il y en a encore. Hein, ah sûr. Bon, on peut manger, non. On peut y aller. Hein. Non. C'est dimanche tranquillou après. Bref, petit pouce bleu et je vous dis peut-être à demain si tout va bien. Tchou!